Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la quatrième partie de Wallstock, avec donc la grotte de Karka. Qu'est-ce que le fantôme? Et normalement on devrait en finir avec cette première partie de... Le chapitre. Bon, d'ailleurs, on est sûr qu'aujourd'hui, la suite se débloque de l'histoire. Voilà, je donne ça donc mardi soir. Donc on a eu les news de la semaine, donc c'est confirmé quand on a la vie qui débarque, donc déjà c'est cool. On dirait que le brouillard vient de là. Dans ce cas, nous ferions bien de rester sur nos gardes. Attendez un peu, à quoi elle ressemble cette fissure au juste? Bonne question. Mes excuses, mais j'en suis pas certain moi-même. Ah, t'abuses, tu pourrais savoir quand même, Bruce. Toi qui est parti du principe qu'a priori tu sais peut-être pas tout sur tout, mais tu as l'air de connaître l'univers dans lequel on se retrouve, c'est quand même dommage. Ouh, une belle paralysie, ça c'est bien. Je vais faire de toi l'aiguillon fatal. Aiguillon. Bref. Alors du coup, comment va se finir cette partie-là? Et qu'est-ce qui va nous attendre dans la suite? Ça, c'est ce qui va être intéressant de voir. Bon, ça très bien, c'est ce que je voulais, donc ça c'est parfait. Voilà, on varie un peu les plaisirs, hein, des limites. Plein de petits objets.
État de Daisy. Ah, il va y arriver quelque chose. Oula, une chimère. Je pense que ça va être compliqué cette histoire. J'espère que Daisy va bien. Ça a dû être un sacré choc pour elle. Dès lors que nous aurons réglé la situation ici, nous tâcherons de revenir sur nos pas pour donner un nouveau spectacle à ses côtés. Rien ne ferait plus plaisir que le son des applaudissements du public. Oui, tu as raison. Oui, on va bien voir ce que ça donne et tout ça. Ouais ben non, hein, je l'avais pas, donc tant pis, hein. On fait ça, hein. Bon, mais bon, j'y retournerai gentiment de mon côté tout seul. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il y a un truc qu'il faudrait que je prévoie. Mais bon, bref, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Alors... On progresse. Mazurka la mystérieuse. Ah ben le boss déjà, ben dis donc. Voilà, je me doutais bien qu'il y avoir un petit chargement supplémentaire. Ah oui, c'est Mazurka qu'on avait rencontré il n'y a pas si longtemps déjà. Le temps de mettre les nouveaux persos en place au fur et à mesure. Est-ce que c'est... Oui, ce trou dimensionnel est la source du fantôme. Oula ! Brave bête ! Le brouillard est devenu un dragon ! Sûrement un mécanisme de défense. Il sait que le lieu est en danger. Si on ne s'en occupe pas, nous ne pourrons pas fermer le trou dimensionnel. Bien compris. Éliminons-le. Je ne vous laisserai pas faire. Mazurka ? Combien de fois faudra-t-il que je me répète ? Qu'est-ce qui vous a fait croire que l'absence d'émotion est une mauvaise chose ? Vois donc par toi-même. Il est évident qu'il faut faire quelque chose. La bêtise ne connaît vraiment aucune limite. Blondinette, tu gardes tes yeux rivés sur ceux qui souffrent en ignorant le reste. Vois plus loin que le bout de ton nez et tu verras bien qu'il y a du bon dans cette situation. Du bon. Tu disais que ce n'est pas une vie s'ils ne peuvent ressentir ni joie ni bonheur. Bien ça, non? C'est exactement le genre de débilité que dirait quelqu'un qui a toujours eu la vie facile. Le bonheur conduit à la colère. La joie conduit à la tristesse. N'en va pas autrement. Les êtres humains laissent inévitablement leurs émotions négatives prendre le dessus. Alors, à quoi bon avoir des émotions? Autant s'en débarrasser. Tu comprends mieux maintenant? Non, pas du tout. Et tu te trompes sur moi. Hein? N'ai pas toujours eu la vie facile. Je sais ce que c'est.
de se sentir désespéré ou triste à ne plus savoir quoi faire. Mais le désespoir a fini par laisser place à l'espoir. Et après la tristesse, j'ai connu la joie aussi. Tu te trompes donc sur toute la ligne, Mazurka. Une vie sans émotion ? Ça n'a aucune raison d'être. Ouais, ouais. C'est bon. Je pense que j'ai compris maintenant. Vraiment ? Oui, absolument. J'ai compris que le seul remède contre ta bêtise, c'est la mort. Yeah ! Allez, du 2 de fait. Bon, techniquement, c'est 2 contre 2. Hein, au niveau de l'histoire, c'est censé être 2 contre 2. Ah non, même pas. Ah non, d'accord, on a Mazurka et après on va affronter le gros boss, d'accord. Tu sais, Mazurka, tu es plutôt sentimental, toi aussi. En tout cas, pour quelqu'un qui estime qu'il s'agit là d'une faiblesse. Silence, ou deux, vous ne me provoquerez pas si facilement. Tu n'envies donc pas les émotions dont les habitants de ce monde sont capables ? Tais-toi, tais-toi ! Cette histoire ne te regarde pas. Mais clairement, le perso de Mazurka, je le kiffe. Qu'importe la fin, si c'est vraiment un adversaire ou pas, d'ailleurs, je m'en fous. Mais franchement, dans l'idée, j'apprécie beaucoup. Donc, ouais, 2,3 millions, pas de faiblesse particulière, etc., etc. Et d'ailleurs, j'ai déjà oublié. Qu'est-ce qu'il y avait comme objectif ? Ah, rien de particulier, très bien. Allez. Ok, ça c'est fait. Le dragon fantôme. Ah tiens. Ah, c'est intéressant. Quête avec restriction de personnage. Fina mage bleu, apprend la magie bleue, Mistral gagne. Attends, il faut magie bleue. La fina mage bleue dans le groupe. Ok. Oui, ben je sais, c'est bon. Laisse-moi faire le switch, hein, s'il te plaît. Je sais plus s'il y a 5 ou 6 étoiles. Elle est là. Non mais... ouais non, l'idée est cool d'obliger à l'avoir dans l'équipe pour... pour, on va dire, passer un palier et que du coup ça rentre dans le cadre de sa classe de mage bleu, que ça apprend des magies par rapport aux adversaires, mais forcément c'est par rapport à des adversaires spécifiques qu'elle les apprend, donc obligée à l'avoir, c'est cohérent. Deux contre un, vraiment? Vous n'avez pas honte ? Dit-elle alors qu'elle a porté le premier coup. On se demande qui devrait avoir honte. Mazurka, je crois que je te comprends maintenant. Hein ? Rien qu'à te regarder, je peux voir que tu souffres de l'intérieur. C'est vrai, je suis triste. Triste de ne pas avoir réussi à vous rabattre le clapet. Mazurka, je ne m'attends pas à ce que quelqu'un d'aussi fortuné que toi puisse comprendre, Blondinette. Elle est même pas fortunée!
Il existe des tragédies, mais parfois, elles mènent vers des bénédictions insoupçonnées. Des bénédictions insoupçonnées? Il y a une part de vérité dans tes propos, assurément. Une tragédie apparente peut en effet conduire vers de meilleurs présages. J'ai perdu quelqu'un de cher à mes yeux. Mais cela me permet de mener une vie paisible désormais. Même ainsi, la seule raison pour laquelle la paix m'importe tant, c'est parce que je possède les émotions nécessaires pour la ressentir. C'est pour ça que je ne peux pas être d'accord avec toi. Tu as raison, Fina. Je n'aurais pas dit mieux. Bah oui, bah lui, ça fait... On est exagéré de dire ça fait un quart d'heure qu'il attend en son tour, mais... Ouais, bien 5 minutes, quand même. Bon, les cœurs, battons ce dragon fantôme et rendons à tout le monde de leurs émotions. Oui. Le dragon venu de la fissure. Cela veut dire que nous devons vaincre le dragon avant de refermer le vortex, c'est ça? Ça me paraît si difficile sans les autres. Rain, Laswell, Nicole. Eh bien, c'est mon tour à présent. Le monde tout entier compte sur moi. Ah, par contre, la musique de boss, vrai boss, franchement, par contre, c'est stylé. Je sais pas si c'est la première fois qu'on entend cette musique de boss ou pas, mais franchement, elle est trop stylée. J'adore. Donc 2003, pas de faiblesse particulière, c'est un dragon. Allez, Sakura, fais-toi plaisir. Oui, du coup, j'avais pas les... je me souvenais plus des deux autres, mais vu que j'ai pas fait de magie, pas de limite ou tout ça, normalement ça doit passer. Et voilà, donc zone terminée. Sans lapis, sans cadeau. Et voilà, nouvelle magie, Mistral a prise. Voilà, récompense, voilà. Finalement, je me mets dans le groupe qui est au sort obligatoire, sinon on peut pas y aller. Donc voilà, après la magie bleue, Mistral blanc, donc c'est... C'est vrai que ça fait bizarre de se dire, voilà, que du coup, nouveau perso, les apprentissages, ça se passe comme ça, mais... D'accord. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? D'où vient cette lumière? Tu peux la ressentir? Encore cette voix? Peux-tu sentir la puissance envahir ton corps? Tu n'as plus besoin d'avoir peur de l'inconnu à présent. Ne t'écarte pas de ta voix. Une récompense d'une grande valeur t'y attend. Je peux le sentir. Une sorte de nouveau pouvoir est en train de s'accumuler en moi. Est-ce que c'est ça, la magie bleue alors? La magie bleue? Je comprends mieux à présent. Tu es une mage bleue, c'est ça? Une mage bleue? Il a appris Mistral, magie bleue. Bien, maintenant que notre problème de dragon est résolu, il est temps de fermer le trou dimensionnel. Mais comment faire?
Laisse-moi faire, je connais 2-3 choses à ce sujet. Oh, super, il est tout à toi alors. D'abord, j'aimerais que tu observes attentivement ma main. Waouh, comment fais-tu ça? Et pourquoi as-tu besoin de fleurs pour fermer le trou dimensionnel? Oh, je n'en ai nul besoin. C'est pour la beauté de l'acte. Un petit excès de coquetterie, si tu veux. Très bien. Et maintenant, le clou du spectacle. Hourra! Tout le monde est revenu à la normale, alors? Normalement, oui. Mais nous allons devoir retourner à Wallstock pour en avoir le cœur net. D'accord. Oh, Satan! Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont tombés de perso. Quoi? Un bébé, qu'est-ce que c'est? Un bébé? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette histoire? D'accord, ok, bon, ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, c'est pas dramatique, mais ok, je... Bon, on va quand même retourner en ville. Bon, dans l'idée, c'est quand même de retourner en ville. Voilà, rue du Terre. On va quand même aller ici, promener un petit peu, hein, et récupérer les divers coffres présents. Ça, c'est mignon, ça. Bon, bref, on promène. Alors voilà, un petit quartz étoilé qui traîne ici. Voilà, qui était planqué. Voilà, un petit coffre ici. Un amas d'adamantie. Une potion vivifiante ici même. D'accord, là où il n'y a rien de plus. Donc on a fini avec cette zone. Très bien. On va promener et puis on va plus voir où les choses vont nous amener. J'ai besoin de préparer la scène. D'accord. Bon, c'est normal, ça. Je pense qu'on verra les effets de la disparition du truc la fois prochaine. Un caillou dur. Ici, une pierre pure. Oula, pardon. Oula. Victime. D'accord. Hop. Alors, on va voir un truc ici. Bon, là, il va y avoir une zone ici ou d'en bas, je sais pas. Du coup, qui sera accessible a priori. Dès que Nora, dès que la malle, dès maintenant en vrai, hein, quand vous verrez ça, mais voilà, qui se débloque avec la suite de l'histoire. Donc je pense que je retournerai faire un tour rapide, ça sera là. Voilà, petit quartier de toile qui est ici.
Allez, hop. L'auberge. Maillet du conquérant, attaque et magie. Ah, d'accord, bah on ira voir ce que c'est, ça, précisément. Voilà, un autre corps étoilé. Ce qui est fort sympathique, hein, bien sûr, comme toujours. Ah, et d'accord, il y a une dernière. Il y a un truc ici, pour l'instant, qui n'est pas accessible non plus. Et a priori, qui le sera, ben, la prochaine fois, ben, du coup. Suite à la maintenance de ce jour. Bref, donc ben, c'est là-dessus que je vous laisse. Donc comme habituellement sur des peines de zones. Une vie. Je crois que j'avais vu qu'il n'y avait pas de, il y avait pas d'exploration, donc elle est déjà faite, je sais plus. Ouais, mais du coup, non, il n'y a pas d'exploration, donc c'est fini pour cette fois-ci. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour découvrir ben, un peu la suite de l'histoire. Si effectivement, toute notre population présente a retrouvé ses émotions ou pas. On ira refaire une visite de la ville pour aller récupérer les petits objets qui seront accessibles. Et puis, on va voir un petit peu la suite des opérations pour final. Bref, joli, à bientôt tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien.